Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi. Ça y est, les amis, c'est vendredi 11 février 2022, 6h17. Heure du Québec, comme si vendredi voulait dire quelque chose maintenant. Vendredi, c'est plus, hein? plus le même vendredi qu'on vivait il y a 30 ans, 20 ans, 25 ans, où euh, la plupart des gens travaillaient du lundi au vendredi et avaient le week-end pour se reposer. Maintenant, les gens travaillent le samedi, le dimanche, on congé le lundi, le mardi. Il y en a d'autres qui travaillent jamais, il y en a d'autres qui travaillent toujours. Donc, ça n'a plus la même signification. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose qui a encore la même signification. Heureux de vous retrouver 6h18, heure du Québec, 11 février 2022. Je pense qu'il faudrait bien être naïf. Il y a beaucoup de gens qui le sont, là, mais pour penser que l'invasion de l'Ukraine n'arrivera pas. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand je vois, puis moi, je n'ai aucun parti pris, entre vous et moi, l'Ukraine. Ça me passe presque dix pieds par-dessus la tête, puis les Ukrainiens aussi, mais je sais que ce n'est pas noble de dire ça. Mais je trouve un peu encore plus aberrant quand on va demander, par exemple, à celui qui est accusé de vouloir envahir, s'il a l'intention d'envahir. Je ne sais pas s'il y en a qui s'attendent à une réponse différente que celle de ⁇ Mais non, notre but, puis on ce n'est pas d'envahir l'Ukraine, on n'envahira pas l'Ukraine. ⁇ Ceci étant dit, on le voit, c'est devenu inévitable. Tout est là, tout est installé, et ça va être plus rapide que long. Ça va se faire probablement, d'après tous les renseignements que j'ai compilés et lus et analysés, probablement pas longtemps après la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin. Une autre aberration, d'abord climatique, parce qu'il n'y a pas de neige, puis on est en train de battent les records de fabrication de neige artificielle. Je ne comprends pas où est Greta Thunberg en ce moment. Et deuxièmement, pour le symbole que ça laisse dans l'histoire, ces jeux-là, spécialement deux ans après la pandémie, les Ouïghours et plein d'autres atrocités qui nous viennent de la Chine, dont Amazon. Ceci étant dit, il y a des indicateurs des fois qui ne trompent pas. Du côté européen et du côté américain, on n'a pas vraiment l'intention d'aller se mettre le nez dans les tranchées. Hein? On, on a. Pour, parce que ça fait leur affaire, c'est puissant, appelons les comme ça, regroupés sous la tente. Comme ça a fait leur affaire d'intensifier la possibilité très rapide de l'invasion, hein, en pompant et en pompant l'histoire parce que ça les, ça les sert dans des buts précis, on ne va pas aller dans des tranchées, mais on enverra sûrement euh, des oreillers, <laughs> des draps, du savon aux soldats en soutien. Mais pour le reste, on va laisser la Russie faire ce qu'elle a à faire, comme on l'a fait lorsqu'elle est allée chercher cette partie de l'Ukraine hein, euh, en Crimée. Barack Obama, à l'époque, a dit... Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. traverser. C'est que la ligne n'est jamais vraiment rouge, elle est plutôt rosacée. Donc on sait ce que ça veut dire. Pas grand-chose. Mais on va frapper la Russie, et c'était peut-être le but de l'Occident et autres, spécialement les États-Unis, de frapper la Russie économiquement. Ça fait vraiment plus mal et ça enlève... Euh, si vous voulez, c'est de la vraie guerre hein, d'enlever les pouvoirs économiques à l'élite, dans le fond, qui profite de, de l'argent, vraiment, quand on pas Vous voyez, moi, on n'a pas d'argent, là. Nous autres, on a de la poussière. Mais les riches oligarques, autant aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Russie, n'aiment pas qu'on saisisse leur argent. Et surtout que ce soit ton ennemi qu'ils saisisse. Pour combien de temps, puis qu'est-ce qu'ils vont en faire? Donc, si on n'aime pas ça, et si tu veux savoir vraiment ce qui va se passer, il ben, faut que tu ailles dans les gestes de ces euh, dirigeants qui sont tous. Il n'y en a pas qui vivent dans des deux, des deux et des trois, appart des trois pièces. Ils sont tous avec des maisons partout, des voitures partout, des avions partout, une richesse partout. Okay? Vladimir Poutine n'en fait pas exception. Et cette nouvelle-là me fait dire que c'est plus proche que jamais. Le superyat s'est rapporté par... Euh, c'est rapporté par MSNBC, ok C'est des petites nouvelles, des fois qui passent inaperçues, mais c'est là où tu vas lire vraiment ce qui s'en vient. Le superyat de Poutine a brusquement quitté l'Allemagne au milieu des avertissements de sanctions concernant les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Ça a été publié. Euh, il y a à peu près une, une dizaine d'heures. Hein? Regardez euh, le yacht de la misère du président russe Vladimir Poutine. Graceful. Hein? Le yacht Graceful de Vladimir Poutine a quitté Hambourg avant de terminer ses réparations. Il était là pour des réparations. On rapportait les médias allemands. On suppose que Graceful a fait une sortie abrupte pour éviter les sanctions occidentales si la Russie envahissait l'Ukraine. Hein? Donc, si tu, si tu dis, tu prétends que tu ne veux pas envahir l'Ukraine et que tu ne le feras pas, comment ça se fait que tu sors ton yacht personnel de plus de 100 millions de dollars hein, que tu as amené en Allemagne pour faire réparer, pourquoi tu le sors avant que les réparations soient terminées? Il n'y a pas de logique là-dedans, sauf celle de ne pas vouloir se le faire saisir. Comprends-tu? On dit que le super yacht de luxe vaut au moins 100 Millions de dollars. Et il appartiendrait au président russe, Vladimir Poutine, à brusquement quitter le port de Hambourg avant de terminer ses réparations, selon des médias allemands. On ne sait pas ce qui a motivé le déménagement, mais le transfert du yacht de 100 millions de dollars des eaux allemandes vers Kaliningrad, qui fait partie du territoire ter ter russe, s'est produit au milieu des craintes que l'Occident impose des sanctions si la Russie envahissait l'Ukraine. Moscou a toujours nié le projet d'invasion de son voisin. Mais il a rassemblé plus de 100 000 soldats sur des positions autour de l'Ukraine et a même envoyé six navires d'assaut dans la même mer Noire, déplaçant plus de puissance de combat vers l'ancien territoire soviétique. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde contre les sanctions contre les élites russes et le président Biden a menacé de sanctionner personnellement, personnellement Poutine. Si la Russie décidait d'attaquer l'Ukraine, il a également déployé des troupes en blablabla, blablabla, blablabla. blablabla. Certains ont émis l'hypothèse que les sanctions pourraient cibler certains actifs de luxe. Graceful a été repéré sur un site public de suivi du trafic maritime naviguant vers Kaliningrad. Graceful est arrivé l'année dernière à Hambourg. Le Super Yacht a reçu plusieurs modifications, dont deux balcons ayant, euh, avaient avant et une extension de la plateforme de baignade, a rapporté Boat International. Le, juste pour vous donner une idée, il a été euh, construit euh, en 2014. Il a déjà euh, trois ponts. Le yacht de luxe mesure 270 pieds de long et est équipé d'une salle de sport, d'un salon avec un piano Steinway blanc, d'un spa, d'une bibliothèque et d'une piscine intérieure de 49 pieds, pouvant être convertie en piste de danse. Le navire est destiné à accueillir jusqu'à 12 invités et 14 membres d'équipage. Le propriétaire est une personne très confiante, a déclaré Horsfield au point de vente sans mentionner directement Poutine. Il sait qui, ce qu'il aime et il n'est pas esclave des tendances. <laughs> La valeur nette du président russe est inconnue, mais il a été supposé que Poutine valait jusqu'à 200 milliards, 200 milliards de dollars, sinon plus, a rappo précédemment rapporté fortune. Des documents divulgués l'année dernière suggéraient que Poutine avait des actifs secrets. L'étranger. Wow. Donc, quand tu vois des petits gestes comme ceux-là du quotidien, tu peux te dire que c'est plus proche que jamais. La Russie envoie des navires de guerre vers la Mer Noire aussi. Le Washington Post nous rapporte ça. Alors que l'Europe intensifie la diplomatie. Donc, je vous laisserai ça aussi. Donc, chers amis, c'est dans les petits pots qu'on retrouve les meilleurs ongans. Je vous reviens bougez pas, j'ai plein d'autres choses donc quelque chose qui va vous étonner concernant les québécois et qui va expliquer beaucoup de choses sur le Québec. fascinant, fascinant. <métit>